Alors, Tigrou, qu'est-ce que tu proposes ? De la joie ! Wouhouhou ! Et de l'énergie ! Alors, attention, Tigrou, n'oublie pas que Gérard Collomb est autour de la table aussi. Youpi ! Wouhouhou ! Debout, mon zézé ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que tu lui fais penser à la réforme des retraites. Youhou ! Vive la retraite à 80 ans ! C'est merveilleux ! Ah, ça, j'ai entendu ! Je suis d'accord ! Alors, c'est pas avec ce genre d'argument que tu comptes t'adresser aux enfants. Mais bien sûr que oui ! Vive Michel Drucker et les EHPAD. Ok, point suivant. On n'a pas parlé de la retraite des femmes. Non, Marlène, c'est la même que pour les hommes. Mais je ne sers à rien sur dossier. Mais c'est pas le seul. Bon, Tigrou, le code du travail. Ah oui. Wouhou. Vive la suppression du code du travail. Wouhou. Ouais. Mais il faudrait peut-être t'expliquer un peu, non ? Pourquoi expliquer le droit du travail à des futurs chômeurs ? Si vous permettez, on l'embauche dans la police. Oh, c'est fantastique, la police. Il m'est sympathique, ce Tigrou. Vous êtes en situation régulière ? Non, mais je suis très très fort pour escalader les arbres. Papier accordé. Bon, rendors-toi, Gérard. Non, mais et l'embauche des femmes ? Non, c'est évident, Marlène. Ah bon ? Elle est rigolote, cette madame. Non mais calme-toi ou je réclame qu'on te coupe la queue. Bon, dernier sujet, la réforme de la SNCF. Oh, ça c'est le top du top. Vive la réforme de la SNCF. Bon, alors Tigrou, je sais que c'est évident pour toi, mais il faut expliquer aux enfants. Eh ben, je leur dirais... Fou. Le train, il roule. Oui, c'est très bien ça, c'est très bien. Ouais. Et Winnie l'ourson à moustache n'est pas content. C'est qui ? C'est Philippe Martinez de la... je dirais la prochaine fois. Winnie l'ourson à moustache, j'ai cru qu'il parlait de Christine Bravo. Mais Marlène. Merde, démasquée, je suis pas féministe.